tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est hier, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Xintian en saison 9. On va en parler à petit peu près sur deux rôles. On va en parler en support et on va en parler également en solo lane. Car ce personnage n'est pas le meilleur gardien solo, mais c'est un solo largement sortable, vu la méta à l'heure actuelle de jouer souvent souveraineté, hein, que ce soit sur les guerriers ou sur les gardiens à niveau pro, sur la solo tout simplement pour l'HP5 que ça donne. Et Xintian n'est pas dénoué d'HP5 puisque c'est un peu son passif, hein, le fonctionnement du personnage, c'est cette capacité à avoir donc son passif par nombre d'ennemis touchés. Vous allez comme ça monter un petit peu votre passif. Donc ça fonctionne très très bien sur les sbires de lane, puisque vous allez le monter beaucoup plus facilement. Vous voyez que là je l'ai touché sur un dieu, c'est pas terrible. Mais là je vais aller utiliser sur les sbires de lane et je vais donc monter mon passif beaucoup beaucoup plus facilement. Alors ça fonctionne avec les deux spells, hein. Ça fonctionne également avec ce spell là, c'est à dire que si je touche là ça en fait 3, si je touche là ça en fait 3, et voilà, j'ai mon passif au maximum. Le passif de Xintian donne 3 d'HP par seconde, enfin 3 d'HP toutes les 5 secondes, c'est ça, oui, non, oui c'est 3 d'HP par charge, mais c'est en PV5 en général, donc ça fait 12 × 3, 36. 36 d'HP5 régen, ça veut dire que de base, avec mon passif, là je suis actuellement à 15,8 d'HP5 régen, c'est-à-dire si je prends des dégâts, bah, je vais régénérer, vous divisez par 5 hein, pour avoir HP par seconde. Je sais bien que Smite a voulu faire différent de LOL, donc ils ont voulu faire de l'HP5 et du PM5 pour qu'on dise qu'ils n'ont pas copié. C'est un peu con parce que bon, ça reste quand même plus facile mathématiquement. Bon, après, on sait. Voilà. Donc là, on a 18,8 d'HP5. Là, vous voyez, je monte un petit peu de mes PV à peu près de 4 par 4. Enfin, pourquoi 4 par 4? Parce que vous divisez 18 par 5. 18 par 5, ça fait. Oui, ça doit faire aux alentours de 4, un peu moins. Donc voilà pourquoi je régène 4 PV par seconde. Donc si forcément j'arrive à monter mon passif à 36 d'HP5. Bah, je vais régénérer à peu près 6 PV par seconde. Et avec une souveraineté, le cumuler avec une souveraineté par exemple, bah, vu que dans la souveraineté il y a 35 de PV5, bah, vous voyez que je vais tellement augmenter mon HP5 que je vais devenir un truc vraiment trop chiant à buter. Mais imaginons là, hop, je vais le faire exprès, je vais monter. Je vais essayer de monter mon passif au maximum. Voilà. Là, vous voyez que je suis déjà à 71 d'HP5, donc là vous divisez par 5, ça fait plus de 10 HP régène par seconde. Donc là on commence à avoir une grosse régène à point de vie. Et là ça y est, je suis au maximum, j'ai 86,8 d'HP5. Bon, je suis au niveau 20. Donc là vous doutez bien que si je suis en support et que j'ai monté mon passif au maximum et que j'arrive à le maintenir, et ben je vais tout simplement pouvoir régénérer les points de vie que je perds assez facilement. Donc je peux prendre un petit peu de poke, mais c'est pas trop grave. C'est d'ailleurs l'une des forces de souveraineté, c'est parce que ça vous permet d'éviter de back, en fait, hein, cet HP5 phénoménal de la souveraineté. C'est pour ça qu'elle est faite à l'heure actuelle sur les gardiens et sur les guerriers en solo lane, et qu'on la fait plus forcément en support. On peut toujours la faire en support, hein, ça va dépendre des games. Mais voilà, donc ça c'était pour vous parler de votre passif. Vous avez vu que le passif dure assez longtemps, ça dure 18 secondes je suppose, parce qu'à chaque fois ça affiche pas le chiffre exact, c'est 18 secondes. Ça vous permet en fait d'aller, enfin... C'est pas trop compliqué parce que par exemple si vous le lancez sur le totem of coup sur la solo, normalement ça maintient votre passif. Alors je suis pas sûr que ça le fasse toujours, mais je crois que oui. Sinon vous avez le naga pour pouvoir garder votre passif. Enfin, il suffit juste de balancer un petit cri, hein, sur, enfin il suffit de balancer votre furious rare, cri furieux sur un truc et puis vous le gardez. Hein. Ça va reset à chaque fois votre truc, vous allez faire votre bleu, vous allez tout simplement hop arriver là, tac tac badaboum tac tac, hop vous prenez votre truc ici et polyvolou. Et vous allez hop, avoir le temps de pouvoir le rebalancer, etc. D'ailleurs, sur le bleu de la solo lane, je ne sais pas si ça fonctionne sur les spectres du bleu. On va regarder si ça fonctionne sur les spectres du bleu. Parce que de ce que j'ai vu, on ne start pas forcément avec le 1 en solo lane. Alors voilà, on va attendre qu'ils pop tous. Et là, je tape. Ah si, ça fonctionne. Les spectres font monter votre passif, donc ça peut être intéressant de bien attendre qu'ils soient tous pop pour l'utiliser, pour pouvoir monter votre passif plus vite. Bon, une fois qu'on a passé le passif, on va passer au Furious Rare, donc le cri furieux qui a une portée environ de 40, hein, je crois.
Si j'ai bonne mémoire, ça doit être écrit sur le sort. C'est une portée de 45 même, c'est pas mal, hein, 45 de portée. Donc c'est un cri qui fait en plus beaucoup de choses que beaucoup de gens ignorent. Donc déjà, il y a des dégâts en pourcentage de PV. Donc forcément, là, je vais faire des dots, regardez, à 52, parce que Odin a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vie. Ça tic 4 fois si j'ai bonne mémoire, ça tic une fois par seconde pendant 4 secondes et ça fait 3,5 x 4. 3,5 x 4, ça fait. 3,5 x 4, ça fait. Désolé, je suis actuellement très malade donc j'ai du mal à calculer. 7, ça fait 14%. 14% de PV max en moins, ce qui est quand même assez élevé, puisque 14% d'un personnage qui a 2000 HP, bah, c'est. Environ plus de 100, hein, on va dire 150. J'ai la flemme de calculer vu que j'ai mal au crâne. Donc voli-volou, ça fait pas mal de dégâts. Ça fait pas mal de dégâts et en plus il y a les dégâts du cri de base qui montent jusqu'à 220 avec un ratio de. Il faut en parler des ratios de Xintian parce qu'il y a des trucs rigolos qu'on peut faire avec les ratios. Je vais vous les donner tout de suite parce que c'est important. Les ratios du premier sort sont de 60%, le ratio du 2 est de 70% si on prend en compte les deux tics de dégâts. Le 3, si on prend en compte les deux fois où vous pouvez passer sur l'ennemi, c'est 60%. Et si on parle de l'ulti, c'est 175% de ratio de puissance si vous mettez les 5 tics de votre ulti. Donc oui, c'est pour ça qu'il existe des gens qui s'amusent à jouer des Xintian full AP. Et si vous ulti, bah vous êtes mort puisque vous prenez en général plus de 2000 de dégâts. Hein, surtout avec le match de Rakta actuel. On va pas trop parler de ce gameplay là parce que je trouve ça un peu ridicule, mais sur Xintian, mais voilà, puisqu'on n'a pas assez forcément de range. Bien évidemment, ça ne fait pas que ça, ça diminue aussi les dégâts d'attaque de base. Donc Xintian est un excellent personnage contre Freya, contre Mercury, mais aussi contre tout ADC classique du style Nice, Anur. Oui, tout ça. Enfin, tous les ADC, vous l'aurez compris, puisque regardez, là je vais tout simplement me prendre une auto-attaque. De Nice, alors ça réduit que les dégâts d'auto, puisque là je suis à 43, et là je suis plus qu'à 22, c'est-à-dire 50% des dégâts ont été réduits. Vous voyez que les dégâts des sorts ont par contre été identiques à ceux d'avant. C'est juste les dégâts de mes... Voilà, vous voyez, je prends toujours 172 et 113, donc c'est vraiment que les dégâts... des auto-attaques qui sont réduites. Donc c'est pour ça que c'est fort contre Mercury, contre tous les assassins à auto. Vous mettez ça sur un Bakasura qui est en train d'oline un de vos potes, bah il fait 50% de dégâts en moins. Vous mettez ça sur une Kali, elle fait 50% de dégâts en moins. Alors est-ce qu'on peut retirer ce passif en utilisant une purif? J'en ai pas la moindre idée, parce que j'ai jamais vraiment trop joué Xintian, et je ne sais pas trop le comportement que ça a sur l'adversaire. Est-ce qu'il peut cleanse ce truc en utilisant une perle de purification, ou est-ce qu'il est obligé de le garder? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais bref, 50% de dégâts en moins sur les auto-attaques pendant 4 secondes, avec un CD de bien plus que 2,8 secondes, c'est parce que j'ai juste cette carte-là. Je crois que de base, ce sort a quand même un long CD, 14 secondes, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Avec de la CDR, on doit pouvoir descendre à 40%, 40% de 14, ça fait 6 secondes à peu près, je pense, un truc comme ça. Donc ça fait 6 secondes moins 14, ça fait 8. On peut descendre à 8 secondes de CD, sachant que le CD est d'ores et déjà appliqué au moment où on fait le cri, pas à la fin de l'effet. Donc ça peut quand même être super OP contre des compos à auto-attaqueur. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que j'ajoute Xintian dans mes picks, dans mes secret picks quand je tourne contre une compo full ADC ou full... auto-attaqueur. Donc Seth, Freya, Kali, tous ces trucs-là qui vont quand même faire la gueule au moment où ils vont se rendre compte qu'ils font 50% de dégâts en moins. Donc ça, passons, hein, voilà, c'était tous les petits détails sur le 1, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas que ça réduit les dégâts d'auto, donc ils savent pas encore forcément, ils l'utilisent juste pour l'utiliser, quoi, alors qu'en fait ça peut être gardé et utilisé au bon moment. Le deuxième sort, c'est un cône en face de vous, vous allez afficher des petits dégâts. Donc le premier tic, c'est des petits dégâts, et ensuite ça fait un plus gros. On passe donc de du coup de hache qui monte jusqu'à 85 avec un ratio de 25% ou un truc comme ça, avec 170 avec un ratio un peu plus élevé, qui fait qu'on monte en tout à 70% de ratio. L'enracinement, vous connaissez maintenant, c'est un enracinement d'1,4 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant qu'on peut diminuer la durée de cet enracinement. Avant, on ne pouvait pas, donc vous étiez route 1,4 secondes, quoi qu'il arrive. Maintenant, vous êtes route... selon votre nombre de stacks de Damnashing Return.
pouvant diminuer donc le défaut. Est-ce que ça a un impact sur Xintian? Bah pas vraiment, ça a un impact sur Xintian s'il avait envie d'appliquer ce route après qu'un allié ait appliqué un contrôle, puisque avant bah il aurait duré de toute façon 1,4 secondes quoi qu'il arrive, sauf si l'adversaire utilise le périph quoi, mais il l'aurait pris quand même. Donc voili voilou, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Vous pouvez pas forcément toucher le cône, je crois qu'on n'est pas forcément obligé de toucher le cône pour pouvoir appliquer le route. On va essayer de tester ça ensemble. Comme je l'ai dit, je suis loin d'être un expert Xintian, je trouve ce perso un peu chiant à jouer parce que je trouve qu'il a pas beaucoup de beaucoup de sort fun en fait, hein. Voilà, on peut appliquer que le route, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé. Ça veut dire quoi, Iker, si tu peux appliquer le route comme ça? Ça veut dire qu'on peut s'en servir comme un sort de... On sent que quelque chose va être près d'un de nos alliés, mais on veut le route instantanément. Bah, imaginons que vous êtes à côté de votre ADC, votre pote, il est là. Et là, vous voyez la Kali qui s'apprête à sauter ou à flasher. Et bah, vous pouvez lancer en prédéfini ça avant qu'elle ait flash, pour qu'au moment où elle soit sur vous, elle soit déjà dans le route. Vous voyez que vous la contrez tout de suite, maintenant, et pas... à la flasher, et c'est maintenant que vous lancez le sort, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez un petit peu pré-shot votre sort et contrer l'adversaire comme ça. Donc ça peut être une façon de jouer ce spell. Ensuite, vous avez le dash. Alors le dash, il a très très peu de portée, il a 30 de portée, donc quelque chose comme ça. Il a un rayon de 12, mais on ne nous dit pas la portée, alors on va essayer de la deviner nous-mêmes. Ah, ça doit être 35 peut-être? Ouais, ça a l'air d'être 35. Ouais, ça a l'air d'être 35 exactement de portée. Donc 35 portée x 2, ça fait 70 de portée. C'est un sort très puissant puisqu'il vous permet de passer à travers les murs peu épais. Et ce, à deux reprises. Vous avez 3 secondes pour pouvoir réutiliser votre spell. C'est un peu comme Nemesis maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les spells que vous voulez dans l'ordre que vous voulez après, mais il faut que vous attendiez pas plus de 3 secondes pour pouvoir le refaire. Donc il faut être... Faut connaître un petit peu le timing, mais on peut faire ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'on a le temps d'ulti et de réutiliser le 3? Je ne pense pas qu'on ait forcément le temps. Ouais, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'utiliser l'ulti. Mais voilà, on peut faire en théorie largement un dash, un control route et un redash derrière. On a largement le temps en 3 secondes. C'est un sort complètement cassé puisque... On le rappelle, tous les sauts dans Smite et tous les sauts qui sont un petit peu instantanés comme ça, bah vous pouvez éviter des sorts, vous pouvez éviter un Naive Monster, vous pouvez éviter un Ulti Ymir, vous pouvez éviter un Freeze d'Ymir par exemple. Ah, j'ai pas réussi à sauter au bon moment. Et là, hop, je saute, et voilà, je saute sur place, je reste près du Ymir, mais j'ai évité les dégâts de son Ulti. Donc on peut en théorie faire des trucs insane avec ce spell, c'est pour ça que c'est l'un des... Pour moi c'est un des spells les plus forts. Hein. Le fait de pouvoir avoir deux sauts qui permettent d'éviter de temporiser tellement de choses, c'est vraiment très très fort. Ah j'arrive pas, hein. J'arrive pas, je voulais esquiver aussi le freeze, mais il faut vraiment que je le pré-shot un petit peu avant. Mais juste pour le faire, juste pour le délire, je vais essayer de le refaire une troisième fois. Si j'y arrive pas, j'abandonne. Mais voilà, le but c'est d'essayer d'éviter le freeze. Ah j'arrive pas, hein. Il me le cancel à chaque fois le méchant Ymir. Le méchant Ymir, il me le cancel à chaque fois. Pourtant il y a moyen de le faire, mais il faut vraiment le faire en préventif et moi j'y arrive pas. Donc que voulez-vous, hein, c'est la maladie je pense. Parce que je suis très malade en ce moment. Ah oui, bah il me freeze direct. Donc. Pardon, j'ai glissé. Bon, j'abandonne. J'abandonne parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je suis malade en plein été, c'est génial. Let's go. Hache tranche ciel, les dégâts et la prod. Ah oui, ça j'ai oublié de préciser. Ça donne de la prod, je crois, sur le premier dash. Mais ça reste les résistances, désolé, hein, fatigué. Les résistances restent que si vous touchez une cible. Et généralement, je crois que si vous touchez un dieu, voilà, ça reste. Et si vous redashez, ça reste. Et c'est fini par partir une fois que vous avez pu votre dash. Alors, je sais plus si ça fonctionne sur les sbires. C'est-à-dire, est-ce que vous avez la prod si vous touchez les sbires? Je crois que c'est que les dieux. Mais on va vérifier, car ça peut être intéressant. Ouais, ça reste que si c'est des dieux. Ça reste que si c'est un dieu, les résistances. Donc, c'est des résistances qui sont quand même assez élevées, puisque c'est 42 prod en plus. 42 prot en plus, faut quand même comprendre que c'est quasiment un item. Hein. Donc ça, c'est vraiment loin d'être dégueulasse, puisque vous voyez, je monte à 100
43, 102. Et même pendant un court instant, on a les deux prods qui se coïncident l'une sur l'autre. Regardez, puisque regardez, je fais ça. Je suis à 143. Et là, je suis à 183, mais je redescends instantanément derrière. Donc, il y a sans doute moyen de pouvoir jouer sur ce 183. Bon, je pense que c'est quand même difficile de le timer, mais sait-on jamais. On peut avoir à un moment 82 prods physiques et magiques supplémentaires. On passe par l'ulti. Alors l'ulti, il est compliqué à comprendre. Hein. L'ulti, c'est 5 tics de dégâts fois 105. Donc 105 fois 5, ça fait 525. 525 de dégâts avec un ratio, comme on l'a dit, de 170%. L'impact de l'ulti est assez intéressant puisqu'en gros, vous allez toucher 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, je ne sais pas comment compter 5, mais ça fait 5 tics, hein, je peux vous l'assurer. Et vous êtes immune contrôle pendant toute la durée. Vous pouvez vous déplacer. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais vous avez de la vitesse en plus. Regardez mon curseur de Viserys. Bon, ben, comme je vous l'indique souvent, c'est en dessous de moi ici. À 425 ici, regardez, quand j'appuie sur ulti, je monte à 503, donc on a un surplus de vitesse peu connu de Xin Qian qui fait qu'il augmente sa vitesse de déplacement de 25%. Je suis même pas sûr que ça soit écrit dans la description. Voilà, donc si je vous ai appris un truc, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, surtout pour un homme malade. Et voilà, vous savez très bien si vous êtes un mec à quel point on n'aime pas être malade. Bon, je sais pas si les femmes aiment être malade, mais nous on est souvent tout fragada. Alors, let's go. On est parti, on va passer. Moi qui suis jamais malade en plus. Let's go. On va redescendre au level 0 et on va faire le skill order. Alors le skill order, il est toujours à peu près le même que vous jouiez Xin Qian solo ou Xin Qian support. En général, on considère que c'est 1 supérieur à 2, supérieur à 4, supérieur à 3. Il y a des gens qui s'amusent à mettre des points dans l'ulti, c'est-à-dire qu'ils font un 4 supérieur à 1, supérieur à 2, supérieur à 3. Mais bon, dans la plupart des cas, je considère qu'il est meilleur de maxer le 1 et le 2 avant l'ulti, puisque l'ulti, c'est pas une source de dégâts non plus phénoménale. Hein, voilà. Donc je considère que il n'y a pas de diminution de CD quand on met des points dedans. Donc je serais plus d'accord pour mettre des points dans le truc. Sachez que pour ceux qui pensent à Xin Qian solo, ça peut être intéressant de maxer de mettre un point dans le 3 en premier. C'est ce que fait Solo Hor Troll, par exemple, dans une game où il joue Xin Qian il n'y a pas si longtemps que ça, solo. Dont je me suis pas mal inspiré pour vous parler de Xin Qian solo, parce que moi Xin Qian solo, au secours. Déjà que je joue pas trop solo et en plus je joue jamais Xin Qian. Donc Xin Qian solo, c'est un cauchemar. Il commence avec le 3. Alors le 3, ça lui accorde plus de mobilité. C'est pas non plus un des push dégueulasses puisque ça fait 60 de dégâts x 2, donc 120 en théorie. Bon, mais évidemment, vous pouvez pas toucher les 6 sbires avec. Hein. C'est-à-dire vous allez taper les sbires mêlés d'abord. Voilà. Et ensuite les sbires archers, vous allez finir les archers. Je pense qu'il avait fait ça parce qu'il était contre Mulan et qu'il s'est dit oh putain, vaut mieux que j'ai un escape après parce que si j'ai juste mon cri, ça va plus la merde. Mais sinon, en général, dans les skill order de Xin Qian classique en support, hein, si vous mettez un point dans votre 1, hein, parce que le 1 est pas non plus un si mauvais sort de dépush. Puisque vous faites un dot et puis ça peut vous aider à monter votre passif au départ sur le bleu. Enfin bref, il y a quand même un intérêt de maxer. Alors attendez. Mais attendez que je réfléchisse. Non mais tous les specs, je vais les tuer avec un seul dash. Ouais, je vais les tuer qu'avec un seul dash. Donc je peux pas double stack avec mon dash. Parce que je regardais si je me posais la question si j'allais pouvoir genre double stack avec mon dash. Oh mais ils font que de crever, ils font chier là. Restez vivants les potes. Parce que c'est les spectres qui m'intéressent. A chaque fois je les tue. Ah voilà. Si je fais ça. Oh, je les tue une fois. C'est mort. Ok, parce que je me disais peut-être qu'il y avait un intérêt. Peut-être que tu pouvais faire deux fois le sort et te stacker deux fois. Non. Je pense qu'il vaut mieux maxer le 1, moi, mais en premier. Et ensuite vous faites 1, 3, 2. Dans la plupart des cas, je dirais que c'est 1, 3, 2. Parce que sur la duo, si vous êtes dans la merde, avoir le 3 c'est quand même pratique. Ça permet de poke, ça permet de jouer un petit peu agressif. Donc je dirais 1, 3, 2. Ensuite, un point dans l'ulti au niveau 5, et sinon, vous maxez votre 1. Comme j'ai dit, vous faites ça. 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 Oh, j'ai mis un point dans l'ulti en trop, mais voilà. Voilà. Donc, ça fait, comme on l'a dit, 1 supérieur à 2, supérieur à 4, supérieur à 3. Voilà.
sur la solo et sur le rôle de support, c'est la même chose. Alors vous me direz, mais Iker, parle-nous du rôle de support Xintian, est-ce que c'est ouf en early? Non, c'est nul, Xintian early, donc ça se joue pas, vous faites pas trop Xintian Jingwei, quoi. Même si ça paraît un peu dans le même horizon, c'est pas dingue. Xintian, ça va très bien avec un ADC qui dépush de base tout seul. Comme ça, vous pouvez faire votre vie, laisser. Une fois que vous êtes level 4, quasiment 5, vous pouvez vous barrer de la laine, aller finir vos gantelets de Thèbes et puis ward pour vos coéquipiers. Mais vous êtes surtout très très chiant en teamfight puisque vous avez à la fois l'anti-attaque AD, vous avez le root et vous avez l'ulti qui force beaucoup de purif. Avec Xintian, c'est un arrest-like qui a un escape. Voilà. Si on devait prendre des points de comparaison, Xintian c'est un Cerber aussi. Hein. C'est un arrest-like avec un sort de mobilité. Donc voilà, c'est deux trucs qui sont sortis largement après Arrest et qui lui ressemblent un petit peu parce que ce sont des forceurs de purification. Et c'est toujours très intéressant d'en avoir en tant que support parce que ça signifie que si vous avez un Bats par exemple ou si vous avez une Deiji, bah, elle aura beaucoup plus d'impact avec ses outils si les purifs ne sont pas up. Passons maintenant aux reliques. Si vous jouez sur la solo lane, vous pouvez jouer tranquillement TP. TP et puis par exemple en deuxième relique un flash. Si vous êtes en support, bien évidemment, vous ne jouez pas TP. Hein. Vous jouez plutôt coquille flash ou un Hank s'il y a vraiment besoin de beaucoup d'anti-heal puisque le personnage n'a pas d'anti-heal dans son kit de sort. Ça va, il a un anti-AD, c'est déjà pas mal. Voilou. Et au niveau de l'objet de démarrage, quand vous jouez solo, bah à l'heure actuelle, ça va peut-être choquer parce que vous ne suivez pas trop l'e-sport, mais on joue GM Arcanique. C'est fini le linceul parce qu'il s'est fait trop nerfer, donc on joue GM Arcanique en solo sur les gardiens pour pouvoir leur apporter un gros dépush, beaucoup plus gros dépush qu'avant, grâce à la gemme Arcanique qui a été beaucoup up, qui fait que ça fait des dégâts AD en plus sur vos sorts et qui fait que bah, les gardiens peuvent beaucoup mieux dépush. Voilà. Donc on joue ça à l'heure actuelle pour le petit Xintian, mais aussi pour la plupart des autres solo laners, des solo laners gardiens. Ensuite, si vous le jouez en support, et on va parler surtout du build de support, même si le build de solo il est très simple pour ceux qui sont habitués, on fait généralement le plastron de valeur, on peut faire la souveraineté, on peut faire la garde de Genji. Pourquoi? Bah parce qu'on est un gardien et qu'un gardien en solo il a besoin de tankiness mais surtout de CDR pour pouvoir inlassablement faire chier ses adversaires. Donc voilà, si vous tombez contre une compo AD, vous faites bien évidemment plastron de valeur souveraineté, souveraineté plastron de valeur, ça va vous devoir dans l'ordre que vous le faites. En général, c'est plutôt le plastron qu'on considère faire en premier. Une fois que vous avez fait ça, vous finissez par une gemme de focalisation en late. Vous pouvez faire par exemple une robe spirituelle et un bâton éthéré et puis alors là vous êtes un personnage très très chiant et très difficile à tuer. Vous avez 3343 HP par exemple. Voilà, ça c'est un build typical. Et si vous voulez créer un anti vraiment un anti personnage auto-attaqueur, vous prenez ça. Le plastron de vigilance, pendant 5 secondes après le lancement de votre ultime, vous générez une aura qui réduit de 15% les dégâts d'attaque de base adverse dans un rayon de 40 unités. Cet effet ne peut se produire que toutes les 45 secondes. Bah, vous prenez ça, plus vous avez le 1 qui réduit les dégâts AD, bah, vous vous rendez compte que vous allez être un anti-auto-attaqueur assez puissant. Alors vous allez me dire, mais Iker, là, t'as pas de dégâts, tu sers à rien. Bah, en fait, on est un gardien solo, donc voilà, on fait quelques dégâts, on est capable de largement les encaisser. Vous connaissez la chanson, si t'as beaucoup de heal, mais que t'as beaucoup de résistance, bah en fait, la Nice ne me fait quasiment aucun dégât. Vous voyez que je régène les dégâts qu'elle m'inflige. Donc ça, c'est la force de la gemme de focalisation qui m'apporte de l'ADR, c'est la force de la souveraineté, c'est la force de la garde de Genji qui me permet d'appliquer mes sorts toutes les 2 secondes, puisqu'on rappelle que la garde de Genji proc sur les dégâts magiques. Voilà. Et donc on récupère nos sorts très souvent grâce à la garde de Genji qui proc, et voilà. On a beaucoup de CDR, tout ça, tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson, c'est un build solo lane, tout ce qu'il y a de plus classique.
On rappelle que si vous avez envie de faire des dégâts un petit peu plus élevés, vous pouvez partir par exemple sur un bâton de sorcier, hein, si vous arrivez à le stacker en début de partie. Bâton de sorcier, bâton éthéré, gel de focalisation, ça sera déjà très bien si vous voulez avoir un petit peu plus d'AP. Puisque comme on l'a dit, hein, l'outil de Xingtian fait très mal de base. Hein, puisque alors, regardez, on va juste faire ça, on voit pas du tout les tics de dégâts, mais c'est pas grave. On va aller voir sur le T. Il a pris tac tac tac, je sais pas, faut que je regarde le calcul. 105 plus 63, ça fait 170, 171, 100, oui 171 même. 171, on va réduire de 40% les dégâts. On fait ouais non peut-être pas 40%, 40, 50 points, ça fait 120. Ouais c'est pour ça qu'on faisait 106, 110, un truc comme ça de dégâts. 110 de dégâts x 5, ça fait quand même déjà 500, 550 de dégâts. Sachant que j'ai quasiment pas d'item AP là. Voili voilou, et surtout vous aurez votre ulti très souvent avec un build pareil, puisque vous aurez bien évidemment le buff bleu qui est à vous, puisque vous êtes soul laner. Et puis une fois que vous aurez l'élixir à 500, vous aurez bien évidemment toute votre CDR. Bon, de toute façon, la CDR je l'avais déjà, puisque j'ai 10% ici, 20 ici, non, 10, 10 et 20. Donc ça fait 40. Je rappelle que c'est 40 le maximum de CDR, sauf avec l'objet chelou qui a été désactivé, mais je sais pas s'il a été réactivé depuis. J'ai vu qu'il y avait un patch note. Est-ce qu'il est toujours là, l'objet ACDR? Il est de retour? Il est de retour. Votre seuil de réduction de temps de recharge passe de 40 à 60. Contrepartie, vos dégâts et vos soins sont diminués de machin. Bon, je vois pas trop pourquoi tu ferais ça sur Xintian, mais voilà. Maintenant, vous allez me dire, mais Iker, le build support maintenant. Et le build support est bien évidemment très différent du build, même si on a deux items qui sont core items à l'heure actuelle dans la méta, qui sont souveraineté et robe spirituelle. Bien évidemment, si vous êtes support, vous ferez plutôt le choix de partir soit don, soit... le compassion, puisque vous ferez cet objet là. Si vous voulez pas faire compassion, vous faites l'étreinte ou la bénédiction. Moi j'aime bien l'étreinte, vous le savez, mais compassion est un excellent item qu'on voit quasiment plus souvent limite que l'étreinte en ce moment, parce que l'étreinte c'est vraiment divisé avec les deux upgrades, alors que la branche bienveillance c'est vraiment que des compassions, il y a très peu d'animosité. Jouez. Vous faites le gantelet de Thèbes, la souveraineté, la robe spirituelle. Vous avez bien sûr le Pride Wen qui est également très intéressant sur Xingtian. Et vous pouvez finir sur Pendentif de Chronos, qui est pas mal fait actuellement par les pros sur les gardiens. Mais moi, je vous conseillerais plutôt un petit bâton éthéré, quelque chose comme ça. Un petit bâton éthéré, voilà, ça permet d'avoir un petit peu de dégâts, de la tankiness. Et voilà! Vous avez votre build Xingtian en support et vous allez atteindre un nombre de résistance assez phénoménal. C'est pour ça qu'il ne faut pas, regardez, faire encore un objet de résistance après, puisque là j'ai déjà 325 et j'ai déjà trop de résistance physique. Voilà. C'est un peu le défaut. Le défaut à l'heure actuelle, c'est qu'on est obligé de partir. C'est pour ça que les pros jouent beaucoup Pendentif de Chronos. Alors, ils font pas que ça pour ça, ils le font aussi pour récupérer tous les spells. Mais il y a beaucoup de joueurs pros qui font Pendentif de Chronos. Enfin, c'est Jake qui le fait beaucoup, je crois, le joueur des Bolts. Et voilà, moi je vous conseille quand même d'aller chercher de la tankiness. Vous ferez Pendentif de Chronos quand vous serez super fort sur Xingtian. Je pense avoir fait le tour. On a fait le skill order, on a fait l'itemisation support, on a parlé des reliques. Voili voilou, je pense qu'on a réussi à faire le tour d'une vidéo, je suis content. J'ai pas trop dit de conneries même si je suis malade. C'est pas mal. Désolé, hein, je suis sous... alors pas du tout sous médicaments, mais complètement fatigué. J'ai dormi 10 heures et j'ai l'impression d'avoir dormi 2 heures. Donc je suis assez malade en ce moment. Gros mal de crâne, grosse toux et voilà. En plein été, ça fait plaisir. Et des sueurs froides. Donc voili voilou. J'essaye de reprendre le taf là, parce que hier je pouvais vraiment pas et dimanche soir j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, je ferai une vidéo demain si je trouve le temps et si j'ai pas trop mal. Et puis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis à me dire ce que vous avez pensé de ce guide. Et nous, on se retrouve demain. Ciao !